Bonjour à tous, ici Alex du Québec pour un autre test sur Final Fantasy Mystic Quest, un jeu édité par Squaresoft sorti en 92 sur Super Nintendo, et oui, et voilà, les Kings of the World, Squaresoft, dur à battre. À cette heure, il s'appelle Square Enix, car Enix était un grand aussi. Bon, commençons immédiatement. Et voilà. Et voilà. Et oui, les 5 cristaux, parce que dans ce jeu, nous avons 5 cristaux à trouver. Ce n'est pas un Final Fantasy comme les autres qui ont sorti sur Super Nintendo. Parce que dans ce Final Fantasy, nous voyons les boss. C'est pas comme les autres. Il n'est pas pareil. Il a son genre. Il est unique. Moi, je l'aime. Bon, commençons immédiatement. Nous allons prendre une nouvelle partie. Et voilà. Et voilà. Et oui, ça commence assez hardcore. Merci. Et voilà. On voit ma gauche de vie en bas. Avec mon épée, je suis level 1. Mon nom est en haut. Ça, je vais changer ça après cette petite passe là. Parce que j'aime pas ce système. Écoutez cette super musique. Digne de la Super Nintendo, il avait la carte sonore superbe. Bon, et voilà, un petit boss. Je vais le buter, ce connard. Oh putain! Il vient de m'enlever 6 points. Et voilà. C'est le même principe. Battle, run et contrôle. Et voilà. Nous avons les magies, la défense, les items et l'attaque. Enfin, ça, connard. Oh putain! Et voilà. Je sais pas si j'ai des potions. Je n'ai absolument à rien. Et voilà. Oh putain! Il va me tuer ce con. Un dernier coup. Allez, comment? Et voilà, j'ai buté ce con. Il m'a donné 84 expériences et 3 GP. Ça, c'est notre argent que nous avons dans le jeu. Et voilà. Et voilà. Tout tremble. Et voilà. Nous allons sortir de là. Ça, c'est notre map. Ça a disparu. Et on commence à Level Forest. Dans ce Final Fantasy, nous ne pouvons pas aller où ce qu'on veut dessus la map. Et non, c'est pas agréable. C'est pour ça que je dis qu'il est unique. Ça n'empêche pas qu'il est fun. Bon, allons à Customize. La petite gauche que vous voyez en bas, que je vous parlais en bas, je vais la changer à celle-là. Elle est bien mieux que l'autre parce qu'on voit nos points de vie. Tandis que l'autre, on a une barre. J'aime pas ça, moi. Moi, j'aime mieux celle-là. Et voilà. Et les messages, nous allons les mettre à 4. Ça, c'est pour les couleurs du panneau. Moi, je le laisse à bleu. Bon, sortons. Voilà. Les magies. Nous n'avons pas énormément dans ce final. Les items non plus. C'est très compact. Et les armes non plus, c'est comme si la Zelda. Dans cette finale, on a une hache, un grappin, une épée, quatre sortes d'épées, et puis d'autres choses. Et voilà, sortons de là. Je vais aller dans Level Forest, et voilà. On va parler à ce con, et voilà. Il a disparu. Il y a des petits sapins, et oui, ces petits sapins servent à. Il faut la hache pour les trancher, pour aller chercher le coffre en arrière. Et oui, on l'a pas encore.
Et oui, on peut sauter dans ce Final Fantasy et donner des coups d'épée comme qu'on veut. Et voilà. Bon, allons ici. Connard, et toi, je suis sauté par-dessus. Et voilà. Il m'a donné une racine. Oh putain. Et voilà. On va le voir. Et oui, c'est une branche d'arbre qui va me servir. Et voilà. Je vais aller chercher le coffre. J'ai trouvé 3 potions. Et oui. Bon, c'est ça que je vous parlais. On voit les ennemis dans ce Final Fantasy. Nous voyons les ennemis dans les donjons. On les voit. On peut les éviter, mais il y a des places où on peut pas. Il faut les affronter. Bon. Je m'en vais au village. Et voilà. Premier village, le Foresta. Et oui, magnifique musique. Les maisons sont faites en arbre. Et oui. Classique au Final Fantasy, le petit village. Je vais rentrer dans une maison. Et voilà. On parlait à ce con. Et non, il n'y a rien à me dire. Nous allons sortir. Et voilà, on va aller en bas. Comme je disais à tous, c'est un excellent jeu, mais il a son genre. Ce Final Fantasy n'est pas comme les autres. Il est très agréable à jouer. Et voilà, 3 autres potions. Et voilà. Je vais faire une autre partie de ce jeu, car il est très fun et je vais vous montrer d'autres parties dans ce jeu. Et voilà. Oh putain! Je peux pas prendre l'âge? Non, c'est pas tout de suite. Et voilà. Un autre corps. 3 autres potions. Ça fait un total de 9 potions. Et oui. Au moins, il s'accumule. Je sais pas, je me rappelle plus si on peut en avoir plus que 9. Et voilà, on va sortir de là. Là. Putain de merde. Et voilà. J'ai une autre maison à faire. Oh putain, c'est vrai que je crois que... Eh oui, je peux faire ça. Putain. Et voilà. Je vais aller chercher le coffre qu'il y avait dans cette maison. Et voilà. J'ai trouvé la première magie du jeu, et pour se guérir, Kyo, et voilà, on peut l'utiliser immédiatement. Ça nous prend, je crois, 2 points de magie, et voilà. Et oui, je dois faire une autre partie, comme je disais tantôt, parce que le jeu, je veux vous montrer un donjon. Dans la deuxième partie, je vais prendre ma partie à moi. Et puis, c'est ça. Bon. Il n'y a rien à faire ici. Bon, ben, je tourne en rond, les mecs. Ça y est. Putain de merde. Et voilà. Je sais pas si j'étais dans cette piole. Oui, je suis allé dans cette piole. Lui, il m'a dit d'aller parler au vieil homme. C'est pas là. Retournons. Et non. Putain. Donc, je vous remercie à tous. Et je vais faire une deuxième partie de cet excellent Final Fantasy Mystic Quest sur Super Nintendo, un jeu édité par Squaresoft en 1992. Et à la prochaine.